Yo, c'est la Team S3 et aujourd'hui, on a vu que vous continuez avec des réflexions du genre. C'est parti. Tu les connais eux? C'est qui? La Team S3, ils sont éclatés. Tu vois ce qu'ils font, genre des blabla, des freestyles, tout ça? Ouais, hein. En plus, c'est cramé que c'est fait exprès. En genre. Plus, non mais c'est son pote, il a le même short, frère. Team S3, les deux gros, ils croient mon la bête. En gros, ils font genre des gestes techniques de freestyler là qu'ils font dans les arènes là, ça marche sur un terrain de foot. Mais ça marche jamais. Est-ce qu'à ton avis, ils sont déjà allés ne serait-ce qu'une fois sur un terrain de foot? C'est déjà que j'ai peut-être affronté un gars de la Team S3, il s'est fait laver. Mais ils sont nazes. Nul. Ils sont nazes. Exactement. Moi je te dis ces mecs là. Donc encore une fois, on a décidé de vous répondre dans cet épisode 2 des 10 gestes à faire sur un terrain de foot. C'est parti les gars. Yo, on commence directement avec le premier geste de Moss, le bac à caca. C'est parti pour le deuxième geste, le slap à caca fait par mon gars Andreas. Let's go. On enchaîne avec mon gars Trafalgar et son chef Pana. C'est au tour d'Annie et le tunnel AK. C'est parti avec Andreas et le Snake. C'est au tour de Moss et son double choc. Ça continue avec Trafalgar et le Heel Pan. Et maintenant, c'est parti pour le Rainbow AK avec Annie. Check ça. On enchaîne avec un geste créé par un membre de la Team S3, le Ben Kakaka. Avec Moss et le Stormtrooper. Yo, c'était la Team S3. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Voilà, elle est terminée. On a fait les 10 partie 2, mais maintenant on peut plus vous entendre. C'est fini. Ils ont trop parlé, mais bon, comme on a dit pour tout le mois de juillet, on va faire gagner des petits cadeaux dont les gagnants seront annoncés sur tous nos réseaux, Facebook, Instagram et Twitter. Ouais, exactement. Ouais. Mais la vie, c'est pas facile. Non, l'IRISP, c'est quoi? L'IRISP, c'est on donne des cadeaux. Ouais. Hein. Donc nous, on veut 11 000 likes. Attends, donc ça veut dire s'il y a minimum 11 000 likes, tu peux gagner l'Urban. Ouais, moi, voilà, c'est là, par exemple, là, si je mets la vidéo, il y a 11 000 likes, cette Urban, elle est pour vous. Non, 11 000, t'es 11 000, sûr? Je pense qu'il peut faire mieux. Moi, j'ai 11 500. Qui dit mieux? 12 000, 12 000, 12 000, 12 500, une fois, 12 500, une fois, 12 500, deux, une fois, deux fois, 13 000, qui dit bien, c'est trop, 15 000, donc voilà, j'ai annoncé, s'il y a minimum 15 000 likes sur cette vidéo, on fait gagner cette Urban Ball, bien sûr, elle sera signée par tous les membres de la Team Exactement. S3. Ok, donc maintenant, la formule magique, les gars. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout de...